Salut à tous. Est-ce que vous êtes de ceux qui, lorsqu'ils ont lu un livre, ont du mal à s'en séparer? Et seraient même prêts à invoquer de multiples raisons pour justifier le fait de le conserver? J'ai longtemps été dans ce cas-là, et puis je connais aussi beaucoup de personnes qui le sont, et qui ont chacune leur propre raison de décider de conserver le bouquin. Personnellement, ça prenait de plus en plus de place dans ma bibliothèque, et je me disais à la fois. Ce bouquin, j'ai eu des émotions avec et j'ai du mal à m'en séparer. Et en même temps, plus j'en avais, plus ça prenait d'espace, plus je trouvais ça encombrant. Et plus d'un autre côté, dans la balance, finalement, je me disais, il serait peut-être temps que je me sépare de certains. Et à chaque, je dirais, excuse, à chaque raison qu'on se fait de garder un bouquin, je pense qu'il en existe aussi tout un tas d'autres de décider de s'en séparer. Personnellement, à un moment, je me suis dit, bon, je vais en faire le tri. Et pour vous confesser quelque chose dans cette vidéo, en fait, ce à quoi vous assistez quand je publie ces vidéos de vocabulaire sur des livres, bien c'est quelque sorte un deuil. C'est-à-dire qu'après cette vidéo, je donne le bouquin, il part dans un réseau d'occasions, Emmaüs par exemple, et pour une autre vie, pour d'autres personnes. Et je me suis rendu compte que c'était très rare, même ça pour l'instant ce n'était pas arrivé, l'envie d'avoir recours à nouveau à ce bouquin. Et je me dis que quand bien même un jour ça arriverait de nouveau, eh bien j'irai tout simplement dans ce réseau d'occasion et j'essaierai de le retrouver, ce qui a priori serait tout à fait faisable. Je vous invite à méditer ça et on va parler aujourd'hui de Pablo Neruda. De la solitude lumineuse, à l'époque où il était consul en Asie du Sud-Est, où il se déplaçait beaucoup, où il devait voyager léger, si vous voyez le lien que je veux faire avec l'annonce du début. On va passer au vocabulaire, à tout de suite. C'est parti, on commence avec bétel. Bétel qui est un substantif masculin qui désigne un poivrier grimpant cultivé en Inde et en Extrême-Orient. Si vous n'aviez jamais vu de poivrier, eh bien, en voilà un en photo. Et Neruda, dans son livre, en parle pour décrire l'ambiance des marchés, et notamment de manière olfactive avec l'odeur des poivres de bétel. Deuxième mot, câblogramme. Câblogramme, un câblogramme désigne un message, généralement bref, transmis par câble télégraphique. Donc à l'époque où il était consul, dans la fin des années 20, eh bien, c'était le moyen de communication le plus rapide. Alors si maintenant vous lisez ou regardez des films historiques et que l'on parle de câblogramme, eh bien vous saurez ce que c'est. Caligineux, caligineuse. C'est un adjectif pour désigner ce qui est de la nature du brouillard. Et là j'aime bien parce que Bethel, par exemple, on est du côté de la culture générale. Or, quand on passe à caligineux, caligineuse, un adjectif de ce genre, on est tout de suite beaucoup plus opérationnel. D'autant que des choses, des circonstances où on se retrouve avec des ambiances ou des éléments qui ont la nature du brouillard, eh bien, ça peut arriver assez régulièrement, surtout si on habite à Maubeuge. Frac. Un frac, c'est un habit en drap noir porté par les hommes lors de cérémonies ou d'événements mondains qui se distingue par sa forme en queue de morue. Alors, ce mot, je l'ai choisi parce que je ne l'avais pas vu auparavant déjà. Et en revanche, j'avais déjà remarqué, notamment dans des films, des costumes de ce genre-là. Observez bien la veste, en fait, la particularité qu'il y a donc à la cassure, un peu au niveau de la taille. Et qui retombe à l'arrière, donc c'est là je pense qu'il y a vraiment la queue de morue, qui retombe à l'arrière jusque pratiquement dans le bas des cuisses avec une forme ronde. Et bien ça, c'est un frac. Malachite. Une malachite, donc c'est un carbonate naturel de cuivre, une pierre d'une belle couleur verte nuancée de teintes diverses et dont certaines variétés compactes sont utilisées pour la réalisation d'objets d'art. Là, je vous recommande de bien observer la photo, de rechercher d'autres images si cela peut vous aider, pour que lorsque vous le rencontrerez, eh bien, vous puissiez faire l'association entre ces couleurs, cette forme
et le mot malachite. Une malachite. Membraneux, membraneuse. Donc un nouvel adjectif pour désigner ce qui est constitué d'une membrane ou qui est de la nature des membranes. Ici, on a une belle photo d'un écureuil membraneux, qu'on appelle aussi écureuil volant. Et si vous vous demandez si l'animal sur la photo existe vraiment, eh bien oui, je vous le confirme. Ophidien, ophidienne, c'est un adjectif pour désigner ce qui est propre au serpent, qui a la nature ou l'aspect du serpent. Pandi, un pandi, c'est un titre honorifique que l'on donne à une personne importante en Inde. Neruda a eu l'occasion de rencontrer de nombreux pandis. Prurite, un prurite, je pense qu'on prononce le T, est une sensation de démangeaison cutanée due à une maladie de la peau. Eczéma, parasitose, prurigo, donc c'est une affectation générale, ou alors un trouble fonctionnel des nerfs de la peau qui déclenche un réflexe de grattage plus ou moins vif. Serpentin, serpentine. Alors, dans le livre de Neruda, serpentin apparaît sous la forme d'un adjectif donc, qui évoque le serpent par sa forme sinueuse, son mouvement ondulant, sa flexibilité éventuellement, par sa longueur et sa minceur. Ici, vous voyez, on voit un serpentin en cuivre dans lequel est censé... je pense que c'est de l'alcool qui coule à travers. À mon avis, c'est un serpentin qui sert à la distillation. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'en bonus dans cette vidéo, j'ai mis également le substantif serpentin, serpentine, qui désigne une roche de fond vert parsemée de taches de différentes teintes. En fait, en cherchant, j'ai découvert cette roche et je l'ai trouvée très belle. Alors, je me suis dit que j'allais vous la partager. Voilà, c'est la fin. On a donc 11 mots de vocabulaire dans cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour un autre livre. Salut!